Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je voulais vous parler d'un événement exceptionnel qui va avoir lieu à Mont-de-Marsan le dimanche 15 mai. Ce sera au parc Jean Rameau, c'est un parc de la ville. Ça s'appelle la Fête des Jardins et c'est organisé par les comités de quartier de la ville de Mont-de-Marsan. Mais je m'efface là derrière le bandeau. Voilà, vous avez la date, le jour, l'heure, etc. Et puis si vous voulez avoir des précisions par rapport à l'organisation et au déroulement de cette journée exceptionnelle, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la mairie de Mont-de-Marsan. Et enfin, je vous mets sur ma page Facebook toute l'organisation de la journée. Vous pourrez voir ça de façon plus précise. Alors, si on n'est pas attiré par la beauté de ce champignon, en tout cas, on est repoussé par l'odeur. Ça pue, mais ça pue. Ça pue la mort, en fait, comme on dit. En fait, ce sont des spores, là, qu'il y a au milieu. Cette partie un peu brillante et marron. Et ça attire les mouches vertes, voilà, qui tournent autour. C'est relativement joli, mais alors, je peux vous assurer que ça sent très mauvais. Et en plus, c'est proche du linge, de la maison, enfin bref. Moi je vais pas le laisser dans le jardin, je sais même pas comment il est arrivé là. C'est la première fois qu'il y en a un et il va vite repartir. Il va aller dans le bois à côté. Voilà, et il y a bien sa base en forme d'œuf, comme on peut le voir décrit chez les spécialistes des champignons. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.